Bonsoir, Madame Messi. C'est toujours un plaisir pour nous porter l'émission ça pour qui c'est tout autour une émission qui a sensibilisé tout le monde vers la protection de l'environnement et mais surtout permet tout qu'on ait qui importance ça gagne tout pour nous protéger l'environnement. Et ça fait nous toujours là pour nous informer, pour nous toujours venir ensemble avec des invités qui sont capables de traiter une série de sujets. Jodi an la, nou pral recevoir Messi Arne Sagesse, que nous recevons deuxième fois dans l'émission Tout Autour. Et première fois que nous avons gagné Messi Arne Sagesse et cette langue, il a parlé nous de politique publique de l'eau potable dans l'occasion Journée mondiale de l'eau. Mais cette fois, Messi Arne Sagesse, qui est un militant écologiste, qui est membre du Rassemblement écologiste haïtien REA, et puis qui est responsable de l'association Maison Verte, qui a organisé 6e édition Festival Cinécolo et qui parle par les noms de activités. Ça, je dis en. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Stéphane, et bonsoir à tous les amis, alors, téléspectateurs, téléspectatrices et tout autour. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui. OK. Donc, nous allons présenter vous par le public là pour faire connaître qui est ce qui est messieurs de sagesse et qui là, qui a milité en faveur d'un environnement sain et agréable. Et pour nous capables de vivre plus bien, on sait de principes surtout pour nous respecter. Et cette fois, c'est 6e édition Festival Cinécolo Haïti. C'est qu'on parlait de festival, nous avons jazz, nous avons danse, rara, mais je dis à nous parler de Festival Cinécolo Haïti. Est-ce qu'on a dit non pour le public là? Qui ça, Festival Cinécolo Haïti, les mêmes liens? Et c'est ça que nous songe. C'est une époque où on parlait du festival là dans l'espace. Et puis, mon Dieu, t'as dit, non, mais qui jazz qui a joué la donne? Cette fois-ci, festival, ça n'a fait, c'est pas festival musique, c'est un festival film, environnement. Cinécolo, c'est ça lié. C'est un festival film, environnement. Donc, son festival, le NAPFEL, nous utilisons film documentaire qui traitait des thématiques qui toutes liées avec les problématiques environnementales et puis offrir opportunité à travers des exemples qui fait à travers de l'autre pays dans le monde et offrir alternatives à la population. Donc, c'est un festival qui existait depuis 2015. Et là, on a fait 6e édition, hein, qui, l'année dernière, pas de carrière faite à cause de pays entier. Donc, on était obligé de reporter lui. Et Ania, on a reprendre la 6e édition Festival Cinécolo, qui a fait sortir 3 pour arriver 8 juin. Donc, la fête, c'est 3 et 8 juin, c'est dans qui zone? Et la fête est Cap-Haïtien, Limonade et Wanamet. Wanamet, c'est la principale ville d'accueil Festival Cinécolo. C'est Wanamet tout qui a une activité depuis 30 mai, que nous avons pour nous parler de tout à l'heure, de 30 mai jusqu'au 8 juin. Donc, nous avons un ensemble d'activités, conférences, débats, une projection film, un atelier, que nous avons des détails plus de. Donc, c'est en gros trois villes qui ont recevoir la 6e édition Festival Cinécolo Haïti qui a fait sous thème Le climat change et vous, les musiciens du Titanic. Et puisque nous avons parlé de films et notre public là, dernier festival que nous avons organisé, et c'était un film qui était mis en valeur, c'était Ainsi par la mer de Arnaud Latournelle. Et qui était faite ensemble avec Voix, Jessica Généus, que nous connaissons, qui passait de présentation, surtout avec le film Freda, que nous avons invité ou même qui a regardé, non, si vous pouvez regarder le documentaire, ça, qui c'est Ainsi par la mer. Et nous avons proposé surtout à regarder le déluge et de Leonardo DiCaprio. Et vraiment, surtout ou même qui a milité dans les causes environnement, et ou même tout qui a regardé, qui est intéressé. Et qui sont fans de l'émission Tout Autour. Alors, Messiane, qui ensemble d'activités que nous avons gagnées, qui ça nous visait comme objectif à travers la dernière édition ça, de Festival Cinécolo Haïti? Oui. Alors, Festival Sagesse Soudien l'a fait sous changement climatique. Ce n'est pas sans raison qu'on choisit zone Nord, puisque nous connaissons zone Nord, surtout au Cap-Haïtien, c'est des zones qui sont extrêmement exposées par rapport à risque de changement climatique ou bien phénomène naturel, tant que tremblement de terre. Et nous, à l'apporter le festival là-bas, public, ça, qui est dans la zone, ça, c'est une façon pour nous attirer l'attention sur la situation côté et territoire qui a évolué sous l'IA. Nous avons une crise climatique,
crise écologique qui a traversé ce pays, hein, c'est depuis quelques temps. Et de jour en jour, nous rendons compte que la situation a bien plus difficile. Et je vous dis, selon le dernier rapport, dernier chiffre qui est disponible, il dit que la population haïtienne, 98% de la population est extrêmement vulnérable par rapport à conséquences du changement climatique. 98% de la population. Donc c'est pour t'as dit, c'est, mais vraiment, c'est la population haïtienne qui est dans cette situation. Ça. Donc, nous voulons, par festival, ça, ou bien à travers le médium, ça, qui c'est cinéma, porter la question ça devant tout le monde. Et nous avons fait à travers un ensemble d'activités qui viennent pour faire dans l'occasion du festival. Là. Parmi eux, on marche pour le climat. Nous avons fait le 5 juin, nous avons invité la population et Wanamaitland pour venir marcher pour le climat, pour et revendiquer la justice climatique à travers, alors pour Haïti, en faveur population qui est plus victime. Parce que Haïti n'est pas un gros émetteur de gaz à effet de serre ou bien de COD. Et pourtant, ça va empêcher que les vulnérables. Ben oui, pourtant, Haïti, parmi les pays plus vulnérables, et c'est ça que fait Haïti, tout, toujours sorti victime, c'est à cause de vulnérabilité. Donc, il y a une nécessité pour que les citoyens soient impliqués, parce que ces implications citoyens qui ont fait, les gens qui ont voté, qui pourraient prendre bonne décision en faveur de l'eau, en faveur de l'environnement, qui ont fait ça. Donc, il faut que la population soit au courant, parce qu'en temps de crise, l'information, c'est la chose la plus utile à partager. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous voulons faire à travers le Festival Cinécolo. Donc, porter l'information à la population, aider le comprendre la problématique du changement climatique, là, ensuite, offrir des alternatives. Là, nous connaissons dans un pays, côté l'État failli à mission, et l'État même contribué à la situation chaotique, n'a fait face à qui, je ne j'en dis, hein? L'État n'a pas paraître pour sensibiliser les gens face au changement climatique que vous parlez là. Non seulement qu'on est au courant, mais qu'il y a un gros autobré qui pourrait participer à des sommets internationaux, qui pourrait discuter de l'environnement et que là, il est rentré, pas qu'il y ait un retour. Et la population n'a pas rien. Il est seulement au courant que tu as une autorité qui t'a tweeté, et ou bien tu as une commune qui t'a sorti qui dit mais ça pourrait gagner. Maintenant, nous-mêmes qui sommes ensemble de structures, d'organisations, associations, regroupements qui a milité dans le domaine ça, qui effort nous pensons qu'il a fait nous-mêmes pour nous atteindre beaucoup plus de monde, pour être capable de sensibiliser davantage et pour capable pourquoi pas venir gagner un relève pour l'État ça n'a pas parlé de lien, c'est pas comme ça que nous parlons de lui, mais venir gagner une communauté d'hommes représentative qui est capable faire bagaille autrement. Ouais, c'est ça. Pour nous, la solution, c'est en masse critique. Il faut qu'il y ait des citoyens qui sont conscients, qui pour faire l'État, faire le changement que vous voulez. Nous connaissons ici, généralement, décider de ne pas provoquer le changement. C'est adopter le changement, la population à provoquer. Donc, pour arriver à faire provoquer le changement, il faut créer une masse critique autour de une problématique donnée. Par exemple, dans le cas de nous, nous avons une création en masse critique et consciente sous problématique environnementale. Et avec masse critique, ça, nous sommes capables d'influencer les citoyens, bien entendu, nous sommes capables d'influencer les politiques publiques en matière d'environnement, protection de l'environnement ou changement climatique. Nous-mêmes, nous utilisons plusieurs stratégies pour arriver à créer masse critique, ça. C'est vrai, avec les moyens que nous avons, pas oublier, nous avons fait un festival film environnement. Nous pas fait, nous pas, franchement, festival, non, ce n'est pas un festival, nous venons dans le cavine pour plaisir. Donc, ce n'est pas pour ça le fait. Et c'est ça que fait. C'est peut-être une raison qui fait, nous pas toujours jouer de moyens que nous avons besoin pour nous faire un festival. Oui, d'abord, le mandat qui supporte. Ah, bien sûr, c'est une grosse difficulté que nous avons. Nous pas toujours jouer de moyens pour financer l'activité festival là. Et franchement, hein, Haïti, donc a dit institution. Généralement, les affaires festival, on compte sur l'île, les focales. C'est partenaire festival Cinécolo. Et c'est institution qui a dit nous compte sur l'île chaque fois qu'on fait festival là, chaque année. On va dire ministère de l'Environnement. Et raison simple. L'État haïtien, ça fait quelque temps,
question environnement sont bagages secondaires. Non. Ou bien c'est comme si son bagage qui est réservé pour une catégorie de monde. Franchement. C'est comme si une catégorie de monde qui pour parler de lui. Des questions ça. Ouais. C'est malheureux. Et nous fait show off en pile, son pays qui connaît dans ça le paraître, nous fait show off en pile, nous dépensons en pile l'argent pour aller participer dans gros congrès ou bien des gros forums qu'a fait à l'étranger sous environnement, mais nous pas dépenser 5% dans l'argent ça pour nous financer des actions pratiques sur terrain. Nous pas gagne pratique, nous pas gagne culture ça. Nous connaît fait show à pito. Depuis nous ministère a été déplacé en délégation de 20 moun ou bien de 10 moun ou bien ministre n'a pas participé dans tel sommet. Donc nous tout croit que depuis ministre n'a pas participé dans tel sommet, problème environnemental pays d'Haïti résout. C'est faux. Il n'est pas résout. C'est pas seulement ministre non qui est responsable, mais problème n'a commencé depuis à la base. Donc l'on rentre là-dedans comme ministre environnement ou tout rentre dans moule qui vient faire. Et c'est dur, ça me le dire. Même si ou même ou t'es avant venir ministre ou t'es responsable organisation environnementale, au contraire qu'on rentre dans le ministère environnement. Comme ministre, oubliez si il y a une organisation environnementale qui existe dans le pays. On se trouve pas comme ça. Non, ministre. Nous pas guéri. Bon, franchement, et nous croyons que citoyens yo doivent être conscients de ça pour que monde capable prendre décision en tant que ministre environnement, en tant que ministre de l'Éducation nationale, 10 ans encore, dans 5 ans encore, je suppose que c'est des gens qui concernent des problématiques, là, des problèmes dans le fond de natal, de façon à ce que les arrivés soient capables de poser action par eux. Pas pour changer dans un petit moment, ils paraissent là, parce que nous sommes très clairs sur ça, et pas au matin, ils font changement. Mais au moins, nous avons dit, citoyens, ça, ou bien citoyennes, ça, ils ont volonté. Et lui poser des actions qui compatibles à sa lien comme volonté et comme discours que le te gagne l'étape militer au niveau organisation environnementale. Donc c'est pas sans raison là n'a fait festival Cinécolo Haïti, nous pas fait festival là comme si nous juste font festival, nous projeté film et puis après c'est fini. Non, n'a fait festival là pour nous provoquer un changement. Changement ça c'est à travers création masse critique, c'est ça nous dit là. N'a fait. Donc, les grands objectifs, les grandes missions, nos grandes visions, nos côtés, nous prêts à aller avec le Festival Cinécolo Haïti. Donc, ce n'est pas sans raison, c'est festival ça. Nous faisons notre café, festival pour nous rentrer comme. Nous avons fait l'étape payée, nous avons ciblé le public qui a fait nous rentrer plus comme là. D'ailleurs, nous avons rentré comme vrai, nous avons joué un partenaire financier en quantité. Si c'est ça, on a choisi de faire. Mais nous pas fait parce que, et pas ça nous voulons faire. Nous avons fait nous voulons faire. Nous choisissons le festival Cinécolo. Donc, c'est extrêmement difficile. Et pour arriver à mettre les moyens, rassembler les moyens que nous avons besoin chaque année pour nous arriver à faire le festival Cinécolo. Bon, question pour nous finir. Pour qui ça, le monde a dû participer dans le festival Cinécolo Haïti, dans la 6e édition? Et qui condition qui doit réunir pour pouvoir participer là-dedans? Après, on a dit tout le monde que le festival est gratuit. Quelle que soit l'activité à faire dans le cadre du festival, il est gratuit. Donc, n'importe qui est capable de venir pour venir participer. Pour qui ça pour le monde venir participer? Le festival Cinécolo, c'est l'unique événement organisé dans le pays d'Haïti chaque année qui offre l'opportunité pour venir prendre connaissance avec la question de l'environnement. Le festival Cinécolo, c'est un grand événement dans le pays qui dit que la question de l'environnement, c'est tout le monde qui doit. Qui concernait, et c'est tout le monde qui doit sensibiliser par rapport à qui. Et c'est tout le monde qui peut mettre main en patte pour nous résoudre le problème. Là. Donc, Cinécolo offre l'occasion à tout le monde. Côté, non seulement on va venir regarder des films qui font sur Haïti, mais il y a des films qui font sur des autres territoires à travers le monde qui expliquent des problèmes qui ont semblent problèmes par nous, et ils disent, mais qui vient arriver à jouer une solution à ce problème. Donc, à partir des solutions, ça y est, parce que nous ne pouvons pas l'inventer en rien. À partir des solutions, ça, nous avons pris pour nous adapter à la réalité par nous, pour nous arriver à résoudre des problèmes que nous gagnons et dans le pays, nous, des problèmes qui sont liés avec l'environnement. Nous avons dit, le Festival Cinécolo a une marche pour le climat qui a fait le 5 juin. Et nous avons gagné toute une activité, une visite guidée que nous avons fait dans le jardin botanique de Wanamet
avec une quantité de monde qui est intéressé avec question ça ou pas découvrir. Mais marche ça, c'est Wanamet la fête. Oui, marche la fête Wanamet. Marche la fête Wanamet et randonnée a aussi la fête Wanamet dans jardin botanique là. Donc c'est occasion pour venir découvrir plantio et découvrir tout écosystème ça, n'a pas prendre ça, n'a gagné des animateurs nature qui disponible pour accompagner le public là. Après ces projections film, c'est Cinécolo et Caravane Cinécolo dans les écoles qui a commencé du 30, alors qui a commencé 30 mai pour le finir 2 juin. Donc, en prélude de festival là, 30 mai au 2 juin, nous avons fait une caravane côté nous pour passer dans l'école yo, pour nous faire conférence pour élèves l'école yo, et puis animer pour eux des ateliers ateliers fresques du climat. Sans outils qui permettent ou maîtriser l'essentiel des questions de changement climatique dans moins qu'une heure de temps. Bon, c'est un plaisir pour nous de gagner une émission tout autour, mes sœurs, nos sagesses. Plaisir partagé, moi remercie tout autour pour le support ça qui est toujours avec activité qui a fait sous question environnement dans le pays d'Haïti. Donc, beaucoup de chapeau à Ibobo pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices et tout autour. Voilà, c'était mes sœurs, nos sagesses, militants écologistes. Et puis qui fait partie de REIA, qui c'est Rassemblement écologiste haïtien, responsable association Maison Verte, et bien qui t'a parlé nous de 6e édition Festival Cinécolo Haïti, qui t'a parlé nous plus d'informations de festival ça, et qui invite tout le monde qui a envie de participer à son festival gratis, et qui a fait et Wanamet, de ses fins mois de mai hein, au bout et début juin, et surtout qui a clôturé. Et par 5 juin, qui c'est un gros jour, qui c'est journée de l'environnement. À bientôt pour une autre sortie émission tout autour. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.